La partie est serrée. Non, attention à ne pas tomber quand même. J'ai gagné. Je suis le plus fort. Et je n'ai même pas perdu l'équilibre. Mais, Robitoque, pourquoi je tiens debout? Viens, je vais te montrer. Ouais. Sur le coup? Oui, nous sommes en haut de la colonne vertébrale. Et tout ça, c'est le squelette. C'est grâce à lui que tu tiens debout. Un peu comme la charpente qui soutient une maison. Mais c'est quoi exactement le squelette? Le squelette, c'est l'ensemble de tous les os de ton corps. C'était un peu juste. Je suis le meilleur pilote de la galaxie. Regarde. Oh, dis donc, les os ont l'air très durs. Oh, c'est plus compliqué que ça. Ils sont durs dehors, mais creux à l'intérieur. Il est immense, cet os. C'est le fémur, l'os le plus long du corps. Regarde, l'os est relié à des muscles qui le maintiennent dans la bonne position et lui permettent de bouger. Allons voir à l'intérieur de l'os. Macro-miniaturisation. Oh, j'ai l'impression qu'on est dans une éponge. On peut dire que ça ressemble à un nid d'abeilles avec plein d'alvéoles. Tu vois, les bords, ils sont durs grâce au calcium. Et entre les alvéoles coule du liquide. C'est ici qu'est créé le sang. Génial! Un labyrinthe! Il faut que j'aille voir ça de plus près. Fais quand même attention à des bouts. Qu'est-ce qui se passe? C'est une fracture. L'os est en train de se casser. On bascule en arrière. Le sang est en train de s'écouler. Je vais colmater la brèche avec le vaisseau. Le vaisseau est coincé maintenant. Ce sont les cellules qui reconstituent l'os. Elles vont transformer le vaisseau en os. Mais comment ça? Eh bien, l'os se répare tout seul. Là où il est cassé, des cellules spécialisées interviennent et se transforment en os, en absorbant du calcium. C'est d'ailleurs pour ça qu'on met un plâtre, pour que les deux parties se ressoudent bien l'une en face de l'autre. Et c'est grâce au calcium qu'on trouve dans les yaourts que les os se fabriquent. Oh, je sais comment on va faire pour se dégager. Oh, un peu plus, on va rester coincé ici. Bon, fini de jouer avec le squelette. On rentre à la maison. Retour sur Celesta. Bouzy, tu t'es caché? Alors, Bouzy, tu ne tiens plus debout? Alors maintenant, tu sais pourquoi tu tiens debout? Facile, je tiens debout grâce à mes os qui forment le squelette et tiennent ensemble grâce aux muscles. Et même si les os se cassent, ils peuvent se réparer tout seuls, à condition de mettre un plâtre, bien sûr, et de manger des yaourts. Salut!